Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 5 au 11 août 2024. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le tirage de la semaine dernière était... Un masque tombe, arrêter de se mentir, être son crash test, réussir sans. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. Cette semaine, le programme aujourd'hui et demain, comme désormais, normalement, si j'ai le temps, je sors des tirages actus. Je rappelle qu'ils ne sortent que pour les membres compagnons. Je sais que c'est cher, c'est 25€ par mois, mais je ne peux pas me permettre de le mettre pour moins cher, au vu de la difficulté de faire des tirages sur l'actualité, surtout quand c'est sur ma chaîne, et j'ai pas envie d'ouvrir une autre chaîne, j'ai pas envie d'argumenter, donc voilà. Du coup, le samedi, aujourd'hui, il y aura un autre tirage qui sort, donc pour les membres compagnons, c'est « Quel avenir politique pour la France jusqu'à la fin de l'année ?» Et demain, c'est... Ah, je peux même pas lire le... Mais bon, le dérèglement climatique est-il dû au... Kem machin, quoi. Voilà. Sinon, demain, un tirage pour la nouvelle lune pour tout le monde, bien sûr. Et puis, cette semaine, sortiront la semaine prochaine les tirages pour le mois d'août au niveau sentimental. Voilà, particulièrement orienté sur la vie sentimentale. Et après, je sais plus le dimanche ce que je fais comme tirage. Voilà. C'est parti, on va faire le tirage pour cette semaine, donc du 5 au 11 août 2024. On va faire un grand tableau. Alors, c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 5 au 11 août 2024? Que va-t-il se passer? La transformation, peur, émancipation. On vous parle d'une personne, une énergie masculine qui doit sortir d'un piège, d'un carcan pour se transformer comme un papillon sort d'une chrysalide, d'un cocon, d'une chenille, voilà, pour se transformer. Et c'est peut-être vous dans votre énergie masculine, c'est vous dans votre partie professionnelle, matérielle, financière. On a amitié, apprentissage, lourdeur. Alors, on a une énergie masculine cette semaine qui veut se transformer, changer de vie. Donc, en général, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, mais des fois, c'est vous. Alors, le problème, c'est qu'en général, la personne s'est affiliée à un amour amical, une âme sœur, de convention, de papier, de couple, de mariage, de famille, d'argent. Et ça devient de plus en plus lourd, cette relation, à la supporter, à la vivre, à faire semblant dedans. Soit l'énergie masculine veut bien sortir de sa chrysalide et vivre un couple sacré, mais il est tellement habitué à vivre des couples plan-plan, de routine, de convention, d'amitié, de construction, que vivre un amour dans la passion, dans un lien d'âme, type flamme jumelle, charnel, spirituel, intensité, bah, il préfère commencer par ce qu'il connaît, c'est-à-dire de l'amitié. Mais c'est relou et c'est lourd. Ça peut être vous dans le travail. Donc, comme je vous dis, vous êtes en train de vous émanciper, de vous transformer, de faire ce qui vous plaît, mais vous avez des amis relous. Alors, il y a une question de collègues, de collaborateurs, de partenaires chiants, qui vous empêcheraient de faire des trucs comme vous voulez, plus créatifs, plus artistiques, plus spirituels, plus authentiques, plus vrais, plus originaux. Soit, non, vous êtes accompagné socialement dans ce processus, mais c'est pas évident, même si vous êtes cul et chemise et authentique ensemble, c'est pas évident d'avancer, de réussir quand même. Peut-être il y a une amitié lourde aussi. Je sais pas, il y a une amitié, mais vous n'arrivez pas à être vrai dans la relation. En général, c'est pas vous, féminin, féminine, qui n'arrivez pas à être vrai, c'est l'autre. Mais peut-être ça vous imbibe et vous dites, bon, ben, cette personne n'arrive pas à être vraie, à être sincère, à être authentique, à être... Donc,
Bah, vous, je sais pas, vous savez pas, vous faites pareil, vous dites, bon, bah, tant pis, hein, la personne, on va attendre qu'il fasse, qu'il parle, qu'il soit, qu'il, bon. Donc, il y a une envie de transformation, d'émancipation, que ce soit en amour, dans le travail ou au niveau social. Ah, sinon, c'est peut-être aussi en famille. Alors, en général, ces énergies masculines, ça peut être, c'est l'autre, mais ça peut être vous. On veut trop faire l'ami des enfants, des parents ou des amis. Enfin, c'est normal de faire l'ami des amis, mais quand c'est du copinage corrompu qui nous empêche d'être vrai et de faire ce qu'on veut, c'est chiant. Donc, ça, c'est difficile aussi. Envie d'être vrai, mais on a peur de plus être l'ami de son enfant ou l'ami de son parent ou... Bref. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Du coup, que quoi, que qu'est-ce, que va-t-il se passer? On a le blocage, cueillir bénédiction. Bon, on vous parle d'accueillir le blocage. Déjà, dans votre énergie masculine d'ancrage au niveau professionnel, matériel, financier, vous avez beau vouloir vous transformer, transformer des choses, donc travail, lieu de vie, finances, tout ça, c'est lourd, c'est pénible, c'est long, mais vous devez accueillir ces blocages comme une bénédiction. Je ne sais pas pourquoi c'est là, mais ça doit avoir une bonne raison. Et puis, si on nous parle de l'énergie masculine, l'autre, ou peut-être vous, au niveau sentimental, ben, c'est relou de soit de faire d'essayer de faire comprendre à un ami, une âme sœur qui n'est qu'un ami, dur de lui dire, quand on a construit avec je ne sais combien de temps et de choses et de trucs et d'enfants, bon ben voilà, on n'arrive pas à lui dire, soit lourd pour l'énergie masculine de se dire non mais moi je veux y aller à tâtons dans une relation amoureuse passionnelle parce que moi je connais que l'amitié ou c'est comme ça que ça se construit bien sur la durée mais putain c'est relou pour vous de faire ça quand même mais bon vous accueillez le blocage et puis je vous dis bon féminin féminine ben donc vous, c'est soit dans le travail, soit en relationnel, amical ou social. Bon, ben, je sais pas. L'autre, il est coincé. Peut-être féminin. Féminin, ça peut être dans une amitié aussi. Enfin, dans une, avec une, si c'est pas en amitié, travail ou social, bon, bref. C'est peut-être avec une âme sœur, un nouveau lien. Vous dites, pff, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est coincé ou qu'est-ce que ça rame? Mais bon, vous devez accueillir les blocages comme une bénédiction, visiblement. Il y a certainement une bonne raison. Alors, dernière carte. Et peut-être que ça rame dans le travail, quoi. Aussi, je vous dis. Je sais pas, faut accepter que les choses prennent du temps, que les gens aient besoin de temps, qu'on doit se laisser du temps, toujours du temps et des blocages. On a l'optimisme. Bon, féminin, féminine, vous arriverez à être optimiste et on a un petit symbole de magicien. Comme dans le tirage du féminin de la semaine, vous direz, bon, allez. Restons optimistes, c'est pas grave. Après tout, si c'est le chemin et la mission de vie et que c'est comme ça qu'on doit faire les choses et accueillir les choses, ok. Si les gens, ils sont des amis mais ils veulent rester bloqués, ok. S'ils savent pas se décoincer pour être dans une relation amoureuse ou partir sur le sujet parce que c'est la base du truc, ok. Enfin bref, vous dites, bon, ben, vous serez optimiste. Peut-être ces énergies masculines arrivent à basculer dans l'optimisme, mais... C'est compliqué parce que l'énergie masculine, vous savez, c'est les gens qui se complaignent dans les blocages. Ils se disent, ah, c'est bloqué, ah mince, moi qui avais envie que ça change mais sans rien changer, ça m'arrange. Donc, bon, dernière carte, on a la solitude, évolution, indépendance. Bon, bah écoutez, c'est pas une semaine très fun où il se passe des trucs de fou. Hein. Vous êtes seul. Sentimentalement, socialement, vous devez travailler une indépendance matérielle. Et puis, on a peut-être des énergies masculines qui se disent, bon, ben, apparemment, si je mets pas un bon coup de collier pour lever les blocages, en amour, sociaux, dans le travail, il va rien se passer, quoi. Ben, sans déconner. Ah bon. Comme si... Assez surprenamment, la vie vous poussait à vous dépasser, ce que vous ne faites jamais, pour sortir de votre zone de confort, de sécurité. Bien.
Non, pas de ça chez nous. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de denier. Bon, déjà dans le travail, vous avez bien envie que les choses se transforment pour être plus vraies, plus artistiques, plus créatives, plus authentiques, plus je sais pas quoi. Bon, ben vous faites comme vous pouvez avec les moyens du bord, vous allez rester dans un équilibre matériel, professionnel, financier, entre deux peut-être, activité, travail, lieu de vie, chemin, attitude, bon, voilà. Et puis l'énergie masculine au niveau amoureux, ben, il reste dans un entre-deux. S'il veut pas choisir. Les énergies masculines ont du mal à choisir entre deux couples. Le couple plan-plan de routine d'amitié et le couple de passion. Ou passer de l'un à l'autre. On doit sortir de l'amitié, du tâtonnage de terrain pour aller dans le vif du sujet. Nia, 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 nia. Donc bon, bref. Donc pour l'instant. C'est du lard ou du cochon, c'est de l'entre-deux, c'est de l'équilibre, on va pas trop se positionner, on va pas trop se mouiller quand même. On va pas trop se mouiller. Alors, sur l'amitié, ça va être long cette semaine. Oh, la lourdeur. Oh, déjà qu'il va faire chaud. Oh, la lourdeur de l'ambiance, quoi. 9 de bâton, ben voilà, l'autoprotection. Bon, déjà, féminin, féminine, dans le travail, vous vous protégez. Après tout, bon, écoutez, vous faites comme vous pouvez, vous pouvez que faites comme vous pouvez, comme. J'en bafouille. Pour bosser bah, dans ce monde-là, avec des gens comme ça, dans la vie relationnelle, qui font rien. Bon, bah, écoutez, voilà. Donc, vous vous protégez. Peut-être vous êtes accompagné d'amis, personnes de confiance, donc ça va. Ou alors, vous dites, vous méfiez aussi des gens parce que. On ne sait pas trop pourquoi ils font les choses ou pourquoi ils font rien. Donc bon, c'est pas grave, vous vous protégerez en tant qu'énergie féminine dans votre chemin de travail et de complétude. Par contre, c'est vrai que l'énergie masculine a envie hein, de sortir de son couple d'amitié, de plan-plan, de dame-sœur, mais il se protège. Mais pourquoi? Parce qu'en général, il y a des choses à perdre. Mais l'amitié, ça, c'est stable et ça permet de construire. Donc forcément, on a construit. Un couple, une baraque, un mariage, des gosses et des conventions sociales familiales, on tâte le terrain pour dissocier ça, quoi. On le fait en douceur, en lourdeur, mais en douceur, pour lourder l'autre. Bon. Et puis, je vous dis, les énergies masculines, c'est des personnes pas très courageuses. Donc, en amour, on va pas se lancer, tout va dans la passion charnelle, et c'est parti, et on part à l'autre bout du monde. Et quand est-ce qu'on se marie à Las Vegas, même si c'est pour de rire, ça pourrait être pour de vrai. Enfin, on n'est pas trop dans ce délire. Donc, du coup, là aussi, on est en mode tâtage de terrain par de l'amitié pour commencer. Donc, l'ambiance est lourde. C'est vraiment, c'est la semaine de la lourdeur, de la patience et de l'autoprotection. Sur le blocage. Mais apparemment, c'est une bénédiction. La tour, ah. Ouais, alors non. Bon, alors, à un moment donné, la vie va secouer un peu les puces pour les énergies masculines qui foutent rien et qui se complaisent dans la patience et dans la lourdeur et dans le tâtage de terrain par l'amitié. À un moment donné, ça suffit les conneries. Le papillon, il faut qu'il sorte de la chrysalide, donc on va y aller. Bon, si c'est pas ça. Déjà, il y avait peut-être un blocage dans votre énergie masculine, il y a des questions de maison, de travail. Alors, il y a peut-être un bouleversement. Alors, peut-être en négatif, peut-être en positif. On va voir avec les cartes d'après. Vous êtes un peu secoué au niveau des puces, là. Parce qu'on ne peut pas rester bloqué pendant 150 ans dans son énergie masculine. Donc il y a des trucs qui se passent, des bouleversements niveau travail, niveau maison, niveau argent. Bon, voilà. Bon, et puis l'énergie masculine, au niveau sentimental, il veut peut-être rien faire. Mais s'il veut rien faire en amour amitié ou en amour passionné, il tâte par l'amitié. On va lui secouer s'il comprend pas. Question donc peut-être aussi travail, maison ou famille. Il y a des trucs qui se passent là. On peut pas accueillir le blocage comme une bénédiction, d'accord, mais il faut qu'il se passe un truc. Eh bien, il se passe un truc, mais on va voir quoi. Et sur l'optimisme, alors, est-ce que la vie
On atteint à votre optimisme les énergies féminines. Vous vous dites, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Le 4 de bâton, ça va. Pour l'instant, féminin, féminine, vous restez optimiste. Vous dites, bon, le bonheur à long terme, la stabilité. Peut-être déjà, vous, il y avait des blocages côté travail, maison, et ça se construit, ça se reconstruit, ça s'avance. Donc, vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir. Ça se stabilise et ça va mieux, c'est bien. Vous dites, tiens, du coup, on va peut-être mettre un crush, un homme, une femme, un compagnon dans cette vie construite et stabilisée. Bon. Le cahier de denier. Ouais, le problème, c'est que ça prend du temps, parce qu'il vient au trop, le gars ou la meuf. Il vient par de l'amitié. La lourdeur. Oh, la lourdeur. Donc, féminin, féminin, vous dites, bon, je suis optimiste pour ma vie, ça se construit, ça se reconstruit, ça stabilise, ça se fait. Qui c'est qu'on va mettre dans cette maison ou dans cette vie stable ou à vos côtés? Je sais pas qui. Et putain, désolé, mais putain, il est long à venir, quoi. Bah parce que il joue son amitié là. Et on a la papesse. Bon, bah c'est pas grave. Vous écouterez vos intuitions pour vous dire, bon, il va galoper à un moment donné. On va avancer là parce que entre soit une âme sœur où vous dites, putain, mais ça rame pendant des siècles hein, pour qu'il se passe un truc ensemble. Soit la flamme jumelle qui la joue amitié parce qu'il se. Hein, il sait pas vivre l'amour. Il sait vivre que des amitiés pour des constructions de famille et d'argent et de corruption. Donc, vous allez devoir écouter vos intuitions pour essayer de savoir combien de siècles ça va prendre si toutes les semaines seront aussi chiantes et lourdes, quoi. Je suis désolée d'avoir ces propos, d'avoir un langage chartier, mais vraiment, au bout d'un moment, c'est relou. Bon, ces énergies masculines se disent, bon, je suis optimiste, peut-être que je vais arriver à mettre en place ma rupture de couple, ma rupture de famille, ma rupture de maison, ma rupture de travail avec les corrompus, avec les amis nana. Mais putain, il prend son temps. Hein. Alors, on a des énergies masculines, vous commencez à écouter de plus en plus vos intuitions pour savoir si ça va bien se passer, votre petit schmilblick de stratégie de lente, là, qui s'installe sur des siècles et des siècles, quoi. Bon, bah écoutez, on ne fait toujours rien, quoi. Vous faites toujours rien. Vous écoutez vos intuitions pour savoir si ça va bien se passer. Et en face, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Bon, on continue. Je fais une pause, parce que vraiment, on s'ennuie. Hein. Alors, peut-être que cette semaine, vraiment, les guidances seront extrêmement chiantes. Mais bon. Écoutez, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Il faut de vous aussi, hein, les masculins, masculines, là, les gens relous. Allons-y, sur la transformation et le 2 de denier, du coup. Bon, dans le travail féminin, féminine, ou peut-être énergie masculine, bah écoutez, ça avance, on est dans son équilibre, dans son entre-deux, on avance comme on peut. Miroir magnétique, ça dépend de vous. Bah écoutez, je sais pas, ça dépend de vous. Hein. Bah le travail, je sais pas, ça dépend de vous. Hein. Donc bon, bah écoutez, vous direz, bon, est-ce que je peux être un peu plus vrai, un peu plus authentique, un peu plus créatif, un peu plus original? Est-ce que je peux faire un choix maintenant? Est-ce que je peux me positionner? Bah je sais pas, ce sera votre choix. Voilà. Bon, pour des énergies masculines dans des entre-deux de vie, notamment amoureuses, bah, je sais pas, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est vous qui avez à choisir entre la peste et le choléra. Non, je rigole. Entre l'amour et l'amitié. Entre votre stabilité et puis la passion, et on ne sait pas ce que ça va donner, ben, on va pas choisir à votre place. Hein. Donc, bon. Alors, sur l'amitié et le 9 de bâton. Oh, la lourdeur. Excusez-moi, je suis lourde aussi à répéter ça. Je fais peut-être partie du tirage lourd, là. Bon, j'arrête. Mais, la distance. Mais on souffle très fort durant toute cette semaine. Bon, alors on a des énergies masculines. Bon, je crois que vous commencez un peu à mettre de la distance avec votre âme sœur. Là. Votre couple plan-plan relou. Vous êtes protégé longtemps en vous disant « c'est pas vrai, c'est pas un couple plan-plan relou. C'est une amitié profonde sur laquelle nous avons basé une famille avec des enfants, un mariage, une vie commune, de l'argent, un travail et puis s'appeler à la famille et à tout le monde et aux amis. » C'est profond. Non, au bout d'un moment, vous vous êtes protégé longtemps de ne pas voir la vérité en face, mais vous commencez à vous en éloigner.
Bon, de votre flamme jumelle ou d'un lien plus puissant karmique passionnel, vous êtes dit, ça me fait peur, je préfère qu'on commence par de l'amitié. Tout le monde, désolé, ça a coupé. Alors, pour tout vous dire, j'avais tourné la fin de ce tirage et je ne peux pas le mettre en ligne. Je dois parfois faire des choix par rapport à mon travail et parfois les cartes me poussent à dire des choses que je ne dois pas dire. Donc, je retourne la vidéo. La fin. Déjà, vous n'aviez pas vu ces cartes parce que j'étais en train de blablater pendant qu'il n'y avait plus de place. Vous allez prendre du recul et de la distance avec un lien qui est censé devenir constructif, avec un lien qui était censé être facile, et puis avec une amitié, une personne qui n'arrive pas à être authentique, et puis pour d'autres avec des amis qui ne le sont pas. Et ensuite, j'ai sorti les cartes sur blocage et la tour, trahison et tranquillité. Alors, concernant un blocage, notamment matériel, lié à une maison ou peut-être un travail ou une famille, vous vous attendiez à être trahi, à souffrir et finalement vous allez être plutôt serein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, on en était là et donc je ne sais plus les cartes qu'il y avait d'après, mais je sais que je ne peux pas poster la suite. Tout le monde a ses limites et parfois les cartes me poussent à parler et mon travail, c'est de me dissocier parfois des messages pour prendre des décisions seule. J'ai envie de faire un parallèle avec le masculin, les énergies masculines qui doivent s'émanciper des autres. Eh bien, dans le travail, dans l'ancrage du féminin, parfois il faut savoir s'émanciper des cartes et des énergies et prendre ses propres décisions. Donc, ceci est dit, avançons. Alors, sur l'optimisme, le 4 de bâton, le cavalier de denier et la papesse. Le boomerang. D'accord. Retour, réconciliation. Alors, féminin, féminine, il y a un retour et une réconciliation, un retour dans un lien. Avec cette âme sœur qui prenait du temps, cette relation amicale ou plus simple que vous avez faite après un lien d'âme compliqué, et si vous écoutiez vos intuitions sur cette personne, sur ce sujet, c'est peut-être juste dans vos intuitions et dans les cartes et dans des messages que ça revient et vous en avez à nouveau des messages, des informations, ou c'est dans la réalité. Sinon, c'est peut-être dans un lien d'âme compliqué où l'autre a mis beaucoup de temps, peut-être parce qu'il était dans maison, famille, enfant, travail. Et vos cartes et vos intuitions vous ont dit quelle personne reviendrait pour se réconcilier, et la personne le fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, visiblement, il y a retour et réconciliation. Peut-être c'est aussi au niveau famille, social, où il y a un retour, une réconciliation avec le travail. Alors, on continue sur la transformation, le 2 de denier et le boomerang. Et le miroir magnétique, pardon. Et peut-être celle-ci. On a la sincérité. Alors déjà dans le travail, que vous soyez l'un ou l'autre, vous allez décider d'être sincère, d'être intègre, d'être aligné, d'être honnête. Si vous êtes une énergie féminine, bon, ben vous le faites toujours puisque vous êtes un travailleur de lumière et certainement dans un travail lié à la sincérité et l'honnêteté. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est les énergies masculines. Dans un travail, en général, des personnes qui font un travail corrompu, quoi, pour le système, pour la matrice, il y a une envie d'être sincère. Si c'est pas ça, c'est on a une énergie masculine au niveau amoureux, et donc en général, c'est l'autre, mais ça peut être vous, qui décide d'être sincère, après ne pas l'avoir été, décide de déclarer ses sentiments, décide de s'engager, décide d'être aligné. On a projet et devoir. Bon, il est beaucoup plus possible, évidemment, que le message soit donc pour vous, féminin, féminine,
dans le travail sur vos projets, sur votre complétude, dans cette idée de travailler dans un alignement, une sincérité, etc. Il est bien possible qu'on ait une énergie masculine qui continue de lutter et qui est sincère quand la personne dit « le plus important, c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est d'avoir des enfants, c'est mon travail, ma carrière, bien que corrompu, je ne sais quoi. » Enfin, bon, ah, la personne y croit hein, dans son truc. Hein. On est à solitude ou amitié. Du coup, ben... Bon, vous attendez pas à être ensemble, déjà en couple, cette semaine. Vous attendez pas à être très entouré dans le professionnel cette semaine. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a ceux qui font un vrai travail aligné et sincère. Ben vous n'êtes pas nombreux et vous n'êtes pas forcément encouragé et ça paye pas forcément. Mais c'est pas grave, vous êtes intègre et c'est déjà ça. Et puis ceux qui diraient ben oui mais moi je peux pas faire autrement parce que j'ai des enfants ou je me suis investi beaucoup dans ça, ben ils y croient sincèrement mais il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'être à leur côté quoi. C'est logique. C'est à la fois ça se comprend et en même temps on n'est pas obligé de côtoyer quoi. Donc déjà, dans le travail, ben, tout le monde est un petit peu seul de son côté. Et puis, au niveau sentimental, ben, je suis désolée, mais l'énergie masculine continue un peu de lutter encore. Mine de rien, il continue d'être dans ses entre-deux, il continue de dire sincèrement que le plus important, c'est ses enfants, ou c'est son travail et son argent. Et il se rend compte ben, qu'il est du coup tout seul, ou qu'il est dans une relation amicale du coup. Il est avec son âme sœur, son couple plan-plan quoi. Et vous, féminine, ben, vous êtes sans cette personne. Et puis, peut-être vous serez avec une âme sœur du coup. C'est peut-être l'autre lien qui est avancé. Alors vous allez chercher un lien d'âme sœur. Mais en général, si vous êtes une énergie féminine et vous restez alignée, c'est ni pour travailler ensemble, ni enfin que ça vous rapporte de l'argent, ni pour avoir des enfants. Vous espérer que se ramener un peu du batifolage et de la passion au travers d'une relation un peu plus simple que la flamme jumelle karmique là. Donc peut-être que vous êtes seul ou accompagné éventuellement de ce lien qui avance, de ce lien plus amical, plus simple on va dire. Parce que vous cherchez pas l'amitié en amour, je sais pas, à un moment donné il faut réfléchir, en amour on cherche l'amour. Sur l'amitié, 9 de bâton et la distance, on a le contrôle mental. Bon. Alors le problème, c'est qu'avec votre âme sœur, ça avance pas des masses. C'est lourd, c'est chiant, il y a chacun qui se protège. Vous voulez pas retomber dans une relation passionnelle compliquée. C'est pas le sujet et ça ne semble pas être le cas, mais donc vous prenez votre temps. Mais l'autre aussi, il y a de la distance entre vous, il y a peut-être une distance géographique, vous êtes loin, ou il y a une distance dans la relation, et chacun réfléchit, ça avance pas des masses. Et puis, dans une relation qui est censée devenir plus simple avec la flamme jumelle, vous, féminin, vous vous protégez, mais lui aussi, et vous êtes loin l'un de l'autre, et chacun réfléchit, vous vous dites, mais... Vous voulez pas vous faire couillonner par cette personne qui fait toujours rien. Et cette personne lutte encore avec ses arguments financiers et sociaux, comme d'habitude. Donc, bon, pour l'instant... Bon, et puis dans les amitiés, y a des personnes qui se disent « Je peux pas être vrai, même si mon ami est vrai et que je pourrais l'être. » Et d'autres qui se disent... Il y a des intérêts à rester avec certains amis, même s'ils sont pas authentiques. On a la réorientation. Il y a une réorientation professionnelle pour certains. Après bouleversement, trahison ou peur de cela, sérénité, tranquillité, vous pouvez faire un autre travail, prendre un autre chemin. Sinon, c'est une réorientation de lieu de vie. Après avoir bloqué ça, il est inévitable qu'il va falloir déménager. Donc, on s'est trompé de lieu ou de relation avec qui l'on est, de situation. Ou alors, on est trahi par le lieu et pas d'autre choix. En toute sérénité, il faut mettre en place des actions. Des réorientations peut-être aussi sentimentales.
Voilà, si ça avance pas, ben, ce sera quelqu'un d'autre. Et puis familial aussi. Donc il y a des nouveaux chemins qui sont pris. Alors sur l'optimisme, le 4 de bâton, le cavalier de denier et le boomerang. Nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ finalement, plus serein et plus stable, en prenant un nouveau chemin. Avec cette réconciliation avec une âme sœur ou avec un ami, ça m'étonnerait, je vous dis, les flammes jumelles, c'est toujours les arguments argent-enfant. Parce que ça se comprend aussi, ils ont fait des enfants, il faut qu'ils les entretiennent, parce que déjà ils les ont mis sur terre dans un système corrompu, donc forcément. Si en plus ils se séparent du conjoint ou ils sont pas avec quelqu'un qui leur plaît. Enfin bref. Donc bon, ça m'étonnerait que le nouveau départ soit avec la flamme jumelle. On a la peur de l'engagement. Alors, il y a peut-être un déblocage avec votre âme sœur, féminin-féminine, mais vous n'avez pas envie de vous engager. Ben, parce que vous n'avez plus envie de vous engager dans des relations. Ben, parce que déjà. Ça part pas d'une relation très intense. Il faudrait pas faire les mêmes conneries que les autres et que l'autre. Que les énergies masculines. D'autre part, vous n'avez peut-être juste pas envie de vous engager. L'amour, c'est pour la bagatelle, c'est pas pour vivre ensemble, travailler ensemble, faire des gosses et signer des crédits et se marier. Donc voilà. Je sais pas si c'est vous qui voulez pas vous engager ou si c'est l'autre. L'énergie masculine de lien flamme jumelle pour lâcher son fric et ses gens, il met beaucoup de temps, lui, à faire ça. Il a peur de s'engager dans ce chemin. Il a peur de perdre, comme d'habitude, de l'argent et des gens. C'est toujours la grande question. Alors, on termine sur la transformation, le 2 de denier, le miroir magnétique, la sincérité, etc. On a le 7 de bâton. Chacun fait des efforts quand même. Les énergies masculines, blablate, avec toujours le même blabla de mes enfants en premier, mon argent que j'ai investi pendant longtemps. Mais bon, ils font des efforts en se disant, bon, ben, je vais rester seule là dans la tristesse, quoi. Je vais mourir avec mon argent et mes enfants seront partis, je serai quand même tout seul. Donc, ils font des efforts pour agir et penser autrement. Et vous, féminin, féminine, vous faites évidemment des efforts pour vous émanciper de cette personne. Certains font des efforts pour être sincères dans un travail à base corrompue, et d'autres font des efforts pour être sincères malgré la difficulté de l'être dans un système corrompu. Donc, dans un projet qui ne l'est pas. On a la roue de fortune. Bon, il y a des grands et beaux changements à venir. Il y a des beaux changements dans le travail pour ceux qui sont volontaires dans leur projet et, ou ceux qui sont volontaires d'en changer. Et il y a des beaux changements à venir en amour aussi, mine de rien. Alors sur l'amitié, on a le 5 de bâton. Ah, c'est la prise de tête. C'est quand même la prise de tête. Parce que dans une relation d'âme sœur, si ça avance, ben, féminin, féminine, vous n'êtes pas sûr de vouloir vous y engager. Toujours compliqué parce que vous savez qu'il faut pas choisir l'amitié à l'amour et vous avez des liens d'amour plus forts que ça. Donc c'est complexe. Bon, bien sûr, la flamme jumelle, énergie masculine, veut bien changer, mais essayer de lutter contre. Avec les amis, c'est compliqué. Il y a des conflits, on a le soleil, le bonheur. Tout devrait quand même un peu s'améliorer, rentrer dans l'ordre, devenir plus heureux et plus clair, s'éclaircir. Des conflits avec des gens, des amis, où ils sont pas vrais avec vous, féminin, féminine, ou vous, énergie masculine, vous avez du mal à être vrai avec des amis qui pourraient l'entendre. D'autres amis, le copinage qu'il faut éviter pour des intérêts. Et puis les relations amicales ou qui sont censées se simplifier, ça devient plus clair. Ça devient moins conflictuel. On a le 10 de denier. Waouh, magnifique. Question d'aller vers l'abondance. Ça va beaucoup mieux. Ça semble quand même s'éclaircir au fur et à mesure. Ça semble quand même aller vers l'abondance et le bonheur. Tout semble quand même se ranger à la bonne place, avec les bonnes personnes, avec qui l'on doit dire les choses, avec qui l'on peut, avec qui l'on ne peut pas. Et puis, ben, voilà. Écoutez, ils dégagent, oui, ils le comprennent qu'on ne peut pas être vrai avec eux.
Et puis dans des liens aussi, qu'ils soient intenses ou plus simples, tout commence à se réorganiser. Il peut y avoir du coup une réussite professionnelle, matérielle, financière pour vous. Aidé par un lien d'amitié, si vous ne vous, d'âme sœur plus simple, si vous ne vous faites pas croire que c'est l'amour. Dans des relations d'amitié, si vous arrivez à discerner ce que vous pouvez dire à qui et ou pas. Dans, évidemment, on a des énergies masculines dans l'argent et dans la famille qui luttent encore hein, pour garder ça, quoi. Évidemment, ils n'ont pas envie de perdre l'argent et les gens, comme d'habitude, et de se retrouver pauvres et sans rien et sans personne, à avoir misé juste sur l'amour. Bon, bah écoutez, j'espère que ça les rendra heureux, le fric et la famille. On a la force, on vous parle de courage et de maîtrise. Il faut avoir du courage pour changer de chemin professionnel. Pour certains, vous avez le courage de le faire, pour d'autres, vous luttez encore contre ça. Pour déménager, pour certains, vous avez le courage de le faire, pour d'autres, vous luttez encore contre ça. Pour changer de chemin sentimental malgré un coup de foudre qu'il y a eu. Pour certains, vous avez le courage de le faire, pour d'autres, vous luttez encore contre ça. Et par rapport à la famille aussi, pour quitter des gens, une famille ou une communauté sociale, pour certains, vous avez le courage de le faire et pour d'autres, vous luttez encore contre ça. Alors, le courage de la réorientation et la maîtrise et la tenue de son action, de son attitude dans ce chemin ou la lutte pour s'empêcher de prendre un nouveau chemin alors que c'est le bon, ou peut-être parce qu'on sait que on doit encore lutter dans ce qu'on vit malgré que ce soit pas tous les jours évident. On dit que le plus difficile, c'est de ne pas savoir si on doit persévérer ou abandonner. Eh ben, vous verrez. Est-il plus difficile de persévérer et il y a plus de bon en le faisant, ou d'abandonner et il y a plus de bon en le faisant et en changeant? Dernière carte sur l'optimisme, etc. On a la reine de bâton. Féminin, féminine, vous reprenez votre pouvoir. Après tout, si l'autre, il veut pas être avec vous, s'il préfère l'argent et les gens, le fric et la famille, eh bien, vous serez avec quelqu'un d'autre. Vous avez une âme sœur avec qui ça prend beaucoup son temps. Il faut que cette personne vous fasse confiance et que vous vous fassiez confiance confiance et que vous ne tombez pas dans le piège de vous inventer que c'est le grand amour de votre vie. Et que, à partir de là, vous devriez faire des projets dans lesquels vous seriez, vous, après pris au piège dans argent, gens, famille et compagnie. Si vous arrivez à faire la part des choses, eh bien, vous devriez bien passer cette semaine. Le lien d'âme, énergie masculine ne veut pas quitter l'argent et la famille. Tant pis, vous aurez quelqu'un d'autre. Vous êtes poussé à faire ce qui vous plaît dans des passions, dans des projets, dans de l'intégrité, vous prenez un nouveau départ en reprenant le pouvoir. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît qu'on doit se laisser embarquer par cela. Comme je vous dis, j'ai dû retourner la vidéo parce que parfois les cartes me poussent à dire des choses que pour ma sécurité, je ne dois pas dire ou je ne dois pas dire à tout le monde. C'est aussi pour ça que j'essaie d'avoir aussi un espace. Mais là, j'avais pas envie de faire un tirage semaine pour les uns, un tirage semaine pour les autres. Il fallait juste que je prenne une décision de le tourner autrement. Donc vous aussi, vous pouvez reprendre votre pouvoir même dans des choses qui vous plaisent. Vous pouvez même reprendre le pouvoir sur la passion. Vous l'avez désiré un jour, il y a eu un coup de foudre. Vous avez cru que vous auriez une maison, une famille ou des projets ensemble. Mais il lutte contre ça, il ne veut pas. Mais vous n'allez pas être malheureuse, malheureux, vous, féminin, féminine, toute votre vie, parce qu'il ne veut pas avancer. Parce qu'il préfère l'argent et la famille plutôt que l'amour et les projets qui découlent de ça. Tant pis pour lui, vous avez le droit d'avoir du plaisir ailleurs, avec une autre personne, ou dans vos projets, ou les deux. On a le roi de deniers. Je vous dis, les gens qui ont de l'argent, ça m'étonnerait qu'ils veuillent le perdre. Parce que leur plaisir à eux, c'est leur survie du corps, c'est la sécurité que cela leur apporte. Et ça passe devant le plaisir charnel rapide ou le plaisir de projets passionnants qui peut-être nous rapporteraient pas d'argent. Mais le problème, c'est que ces personnes croient que vous ne pouvez pas soit gagner de l'argent et être en sécurité avec quelqu'un. Que vous désirez aussi quand même si c'est un peu moins, et également dans un travail qui vous plaît. Ce n'est pas le vrai.
Donc, mais ils continueront, eux, d'avoir juste leur argent. Mais vous, vous pouvez aussi, malgré une peur de vous engager, parce qu'il est compliqué de gagner de l'argent et de réussir en faisant des choses qui nous plaît, avec le temps, acharnement, intégrité, honnêteté et en étant bien accompagné, c'est possible. Dernière carte, et on a l'étoile, et vous êtes protégé. Écoutez, vous lui souhaiterez du bonheur, vous souhaiterez du bonheur à votre flamme jumelle masculin-masculine qui a préféré l'argent. Et en général, quand il choisit les gens, c'est des gens qui lui rapportent de l'argent. Le divorce coûte trop cher, le déménagement aussi, la garde des enfants, la perte de l'héritage et le copinage de corruption sociale en moins. Donc, il est protégé dans cette situation et tant mieux. On lui souhaite d'avoir beaucoup d'argent et de le gagner et que ça le rende très heureux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que vous aussi, vous êtes protégé féminin, féminine, pour gagner de l'argent dans des choses qui vous plaisent, si vous êtes passionné, et d'être aussi avec quelqu'un qui peut aussi avoir une stabilité, vous apporter une sécurité émotionnelle et avec qui vous pouvez vous éclater et vous pouvez être attiré. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir bon espoir qu'il y a quelque chose qui avance au niveau sentimental pour vous avec un retour dans un lien d'âme sœur qui se construit, qui se fait plus, malgré les réticences de l'un et de l'autre et les peurs de l'un et de l'autre. Peut-être qui sait, avec cette flamme jumelle qui peut-être fera le travail pour être avec vous. Mais c'est vrai qu'en général, les énergies masculines, leur priorité, c'est leur argent. Voilà, c'est l'argent. Soit parce que ils ont beaucoup bossé pour l'obtenir, soit parce qu'ils en ont pas aussi. Donc, dans ce cas, c'est plutôt la femme masculine. Ça arrive que. Ben, elle n'a pas les moyens de le quitter, son conjoint. Vous êtes gentil, vous, mais. Voilà pour ce tirage. Donc, écoutez, du coup, on a la transformation. Donc, ben, c'est long pour qu'il y ait une transformation dans votre énergie masculine de réussir en faisant quelque chose qui vous plaît, où vous êtes intègre et aligné. Mais ce n'est pas parce que c'est long que c'est impossible. Et c'est très long aussi pour que l'énergie masculine sorte de sa carapace. Et c'est pas parce que cette personne, a priori, les énergies masculines de lien flamme jumelle, de lien d'âme ne le font pas cette semaine, qu'ils ne le feront jamais et surtout qu'ils n'en ont pas envie. Ça commence à argumenter et à sentir que les arguments sentent le rance. Ça commence à sentir le. Voilà. On argumente sur de l'argent et des enfants. Mais les enfants, ils grandissent et ils peuvent gagner de l'argent au bout d'un moment par eux-mêmes. Et l'argent, bah, c'est pas un argument, surtout si on l'a pas eu correctement, en fait, par soi-même et sans corruption. Donc, mais c'est très long pour qu'ils sortent de leur chrysalide. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.